La boucle de la Lekki comprend quatre phases, à savoir Enambeyala au Okolaville pour la première phase. La seconde phase va d'Okola rural à Evodula. La troisième phase, quant à elle, s'étend d'Ekekam à Mounatélé. La quatrième et dernière phase se situe entre Enambeyala et l'échangeur d'un Colbisson. Les travaux sur la première session avancent à un rythme normal, d'où cette reconnaissance de l'élite et de la classe politique. En tant que natif de la Lekki, je ne peux qu'être satisfait. Le chef de l'État, à travers ses multiples sources d'information, a été au courant que cette route, qui est un véritable fonds de commerce pour les populations de la Lekki, qui sont essentiellement agricoles, s'était fortement dégradée. Cette route date de 1997. Cela fait, je crois, 26, 27 ans aujourd'hui. Et elle n'a pas fait l'objet d'une maintenance scrupuleuse. Elle s'est donc fortement dégradée. C'était un cadeau que le chef de l'État avait fait à la Lekki pour sa fidélité, pour sa loyauté, pour son soutien. Et le chef de l'État, qui a ses multiples sources d'informations, a été au courant. Et vu les relations particulières qui lient la Lekki au chef de l'État, il a bien voulu ordonner la réhabilitation de cette route, et non plus en bicouche, comme la dernière fois. Cette fois-ci, c'est avec de l'asphalte. Passer par là, vous voyez l'épaisseur, elle est partie pour durer, cette route-là. Elle est aménagée. Je crois que la Lekki tient là un très bon cadeau de la part du chef de l'État. Nous tenons premièrement à exprimer notre gratitude à son Excellence, le président, chef de l'État, M. Paul Biya, pour son engagement continu envers le développement des infrastructures routières au Cameroun. En tant que maire de la commune de Kola, nous sommes ravis de constater l'avancement des travaux de la boucle de la Lekki. Une route, cette route essentielle qui traverse notre commune. Même le touristique traditionnel n'est pas resté insensible à ce geste du chef de l'État. Le chef de l'État a bien marqué sa fidélité par rapport à la confiance que nous avons en lui. Donc, en mentionnant ce projet, il a une fois de plus montré à quel point il tient à cœur le bien-être des populations de l'arrondissement et de tout le département de la Lekki. Nous avons d'abord accueilli la nouvelle avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Mais ce qui nous attriste un peu maintenant, c'est parce que les travaux n'avancent pas comme on nous l'avait dit. Mais nous remercions le président Biya pour ce geste fait pour nous. Nous sommes d'abord très contents de cette route. C'est vrai que le projet a beaucoup duré, mais comme ça se réalise déjà, nous sommes très contents. Oui. Bon, en ce qui concerne la route en elle-même, elle est la bienvenue dans notre localité parce que ça va nous permettre de voyager dans de très bonnes conditions. Après la construction de la boucle de la Lekki, les peines des populations seront rapidement effacées. La partie concernant de Zamungwe à Colbisson est une partie très difficile. Il y a des nids de poules un peu partout, il y a de la poussière qui pose des problèmes d'hygiène, des problèmes de santé. Donc les populations font face à beaucoup de difficultés pour se déplacer sur cet axe-là. Actuellement, les véhicules tombent régulièrement en panne parce que la route est vraiment très déplorable, dans un état déplorable. Vous voyez, depuis que les travaux ont commencé, il y a beaucoup de poussière. Et lorsque les populations voyagent pour aller à Yaoundé, ils se retrouvent à Yaoundé déjà couverts de poussière. Ils sont sales. Nous pensons donc que lorsque la route serait terminée, on ne serait plus face à ce genre de situation de désagrément-là.
Même les frais de transport qui ont doublé à cause du mauvais état de la route seront également réduits. Lorsque la route se dégrade, c'est comme ça que le transport aussi augmente. Nous sommes partis de 500 à 700. De 700, nous sommes aujourd'hui à 1000 francs, partant de Kola Yaoundé. Nous pensons donc que lorsque cette route sera complètement achevée, nous allons redescendre sur le tarif qui était le tarif officiel de 500. Les populations de la Liké étant pour la majorité agricole, ces dernières pourront désormais acheminer leurs produits des champs dans les grandes métropoles sans problème. Les problèmes de santé, vous voulez vous déplacer pour un hôpital de la ville, étant déjà malade, les secousses augmentent les risques. Les vivres que vous avez à écouler dans les marchés de Yaoundé, généralement les véhicules refusent parce que l'état de la route est vraiment déplorable. Donc il y a beaucoup de perturbations que l'état de la route actuelle crée au niveau des populations. Et je crois que c'était vraiment une idée géniale du chef de l'État de mettre la main dessus pour soulager ces difficultés-là. Les hommes et les femmes de l'arrondissement de Mounatélé nourrissent l'espoir de voir la troisième phase qui s'étend dès que Kam à Mounatélé démarrer. Nous avons hâte que ces travaux arrivent à Mounatélé pour le bonheur de l'arrondissement du département de la Liké. Le magistrat municipal de Kola dit être en pourparlers avec les responsables en charge de l'exécution des travaux pour un éventuel recrutement de certains jeunes de sa municipalité. Nous sommes résolument engagés vers de saisir cette opportunité qui nous a offerte par la mise à disposition des moyens pour les travaux de cette infrastructure routière. Nous sommes en discussion avec le directeur de l'entreprise, à qui nous avons marqué, nous lui avons demandé s'il pouvait recruter quelques jeunes de notre localité pour bénéficier de cette opportunité. Parce que vous voyez, la route va passer, elle va continuer, parce que c'est une route qui va jusqu'à Evodoula et Mounatélé. Donc cette route concerne trois arrondissements. Nous voulons également bénéficier des travaux de notre voirie qui sont connexes à ce projet. Pour le ministre Benoît Ndonsoumet, la bienveillance du chef de l'État est une reconnaissance à la fidélité des filles et fils de la Liké. Je peux vous demander si vous connaissez un seul projet de cette nature qui a été réalisé au Cameroun avant même qu'il n'y ait une inscription budgétaire. Dès que le chef de l'État a été au courant, dès qu'il a été informé par ses multiples sources que les populations de la Liké souffrent à cause du mauvais état de cette route, il a ordonné tout de suite sa réfection. Et les travaux, l'entreprise a été désignée de gré à gré tout de suite là, parce que s'il fallait passer par les appels d'offres, ça allait prendre du temps. Les travaux ont démarré par une affectation spéciale de ressources et ce n'est que la suite qui a été budgétisée au cours de 2023 et 2024. Donc le démarrage s'est fait sur la base d'une dotation spéciale affectée par le chef de l'État. Moi, je peux vous donner cette information-là pour démarrer les travaux. Regardez le budget de 2022, il n'y a pas un radis sur cette route-là. Je ne connais pas un seul projet au Cameroun qui, entre la phase où le chef de l'État a l'information et le moment du démarrage de l'exécution du projet, dans un temps aussi réduit, il n'y a que la relation particulière qui lie la Liké au chef de l'État qui peut justifier une telle démarche. Le membre du gouvernement renchérit, il n'y a plus aucune raison de douter. Le message, c'est que pour ceux qui sont encore dans un état de scepticisme, que rien ne justifie, parce qu'on entend encore parmi certaines élites qui disent « la Liké est en arrière, elle n'a pas ceci, elle n'a pas cela ».
Je vous ai décrit tout à l'heure comment ça s'est fait. Combien de projets se sont réalisés de cette manière-là et à un tel rythme au Cameroun. Il nous avait appelé dans son discours à Monatélé en 2004, « Mes amis fidèles et loyaux ». Moi, j'ai retenu le discours ce jour-là. J'étais encore chargé de mission départementale à l'équipe. Mes amis fidèles et loyaux, lorsque le chef de l'État, dont on connaît la discrétion, la retenue, la réserve, se permet un tel qualificatif vis-à-vis d'une population, je crois qu'avec un peu de bonne foi, on doit pouvoir reconnaître qu'il y a un lien particulier entre cet homme-là et nous, dont je ne peux que tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs là, c'est que ne nous égarons pas. Voilà l'homme qui pour nous, l'homme à qui nous devons préserver et conserver notre confiance, comme ça a toujours été le cas jusque-là, et nous devons rester derrière lui. Notre fidélité a payé, notre loyauté va continuer à payer. D'ici quelques mois, les 75 kilomètres qui constituent la boucle de la Lékié seront bitumés à la satisfaction des populations. Ton bonheur dans la vie quotidienne, chaque instant, chaque jour, là où Dieu t'a placé. Je vais à Yaoundé, Yaoundé.